Yo tout le monde, c'est Mongifier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre les bases du PVP et pour que vous commenciez à jouer de la légende. Suite à ma dernière vidéo, on m'a conseillé de faire une vidéo tuto PVP. Donc je vais vous apprendre les bases d'une sloop, d'une brig et d'un galion. Donc pour l'instant, je vais faire le galion, je vais passer à la brig et après la sloop. Vous avez des petits timecodes en dessous de la vidéo si vous voulez directement passer. Donc commençons tout d'abord par les rôles. Donc il y a sur le galion 4 rôles. Le barreur, le flex, le MC et le repa. Donc le barreur gère la barre et les boards. Donc il donne un angle à droite sur un galion parce qu'il y a moins de trous dans la cale. Donc ça va être plus simple pour le repa, pour le barreur au niveau des armes. C'est mieux de prendre le snipe. Comme ça il, en fait il est en train de gérer la barre. Donc ça tourne. Hop, il peut se décaler comme ça. Il peut regarder s'il y a un board. S'il y a un board, bam. Et bam. Et le bus. Et ça évite qu'ils mettent l'encre, le border et tout, et c'est grave chiant. Donc voici, ça c'est le rôle du barreur. Il n'y a rien de compliqué, mais le meilleur ça reste quand même l'entraînement. Passons au MC, MC qui veut dire main cannon, donc c'est celui qui va gérer le canon et le board. Donc lui il a juste à tirer les boulets et tout à fond. Il y a plusieurs sortes de boulets à apprendre. Il y a le boulet normal, il y a le boulet du chaos qui est très pratique en galion. Parce que quand tu vises avec le boulet de KO sur la coque du galion, ça dévie le galion et du coup ils risquent de plus avoir l'angle. Il y a le boulet chaîné qui est très important. Le boulet chaîné qui permet de viser les mâts et démater les gens. Donc c'est comme s'ils ont mis l'encre en fait. Donc bam. Et les chaînés, bien sûr, il faut bien les viser haut parce qu'ils sont très lourds. Tu vois, comme ça. Parce que regarde, si tu prends un chaîné qui est genre là, il va aller plus vers haut, alors que le boulet canon normal, il va plus aller plus loin. Donc les chaînés, il faut bien les mettre haut et viser les mâts. Rien de plus compliqué. Passons au flex, donc c'est celui qui va un peu faire de tout. Donc le flex, il canonne surtout, donc il aide le MC. Et dès que le repa a besoin d'écoper ou a besoin de repa, il vient direct l'aider à la cale, donc à la deuxième cale. Bam, il écope. Et il répa si besoin. Il faut avoir une bonne communication dans l'équipe. Si vous n'avez pas une bonne communication, vous êtes foutu, hein, littéralement. Donc si le répa a besoin de décoper ou de réparer, il appelle tout de suite le flex. Et le flex, il vient tout de suite. Après, pour le dernier rôle du répa, rien de plus compliqué. Il a à réparer quand il y a des trous et à écoper. Quand il y a de l'eau, parce que au niveau des supplies, il y a les caisses de bois. Donc il y en a une qui se met là. Je suis désolé, j'ai pas d'illustration, j'ai pas de caisse de bois actuellement. Donc, une qui se met là, une qui se met ici, une qui se met ici. Donc c'est les principaux. Après, si vous êtes gourmand, vous pouvez en mettre aussi une ici. Donc voilà. Alors pour écoper, je vois souvent des personnes qui font qui écopent comme ça. Donc ils prennent le saut, ils vont là. Ils courent et ils vont là. À ne surtout pas faire ça. Vous perdez beaucoup trop de temps. Après, il y en a d'autres aussi qui font ça. Donc ils vont là, tac, 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 et comme gris. Aussi ça, à ne surtout pas faire. Même si c'est mieux, vous perdez quand même énormément de temps. Le mieux à faire, c'est ça. Hop, il y a de l'eau. Je fais ça. Je m'éloigne un petit peu. Tac, juste là. Je saute en avant. Je me mets ici côté de la table, je vise le point en haut à gauche, et j'ai loupé. Voilà. Et là, vous perdez presque pas de temps. Bam, recule, saute, tac. Ça, c'est super important. Chaque rôle sur un galion est très important. C'est pas le barreur et pas le... Si y a un gars qui ne fait pas correctement son boulot, tout le monde est foutu. C'est l'inconvénient du galion. Dernière petite chose à savoir sur un galion, c'est au niveau de la voile. Donc dès que vous remontez, il faut deux personnes qui sont à la voile du milieu, et à la remonter au maximum. Il faut la remonter au maximum, donc vous êtes à deux à remonter, parce que celle-là elle est plus dure que les deux autres. Une ici, et dès que le gars qui est à la mid, il peut aider celui qui est à la back, qui est à la front, et laisser une voile au barreur qui est derrière. Comme ça, le barreur peut gérer sa voile comme il le souhaite. Avant de continuer plus loin, j'ai complètement oublié de vous dire un truc, c'est que à quoi ça sert en fait la légende.
l'allégeance, donc c'est le mode PVP de Sea of Thieves qui sert à avoir plusieurs skins. Donc vous avez des récompenses au level 100 et vous avez aussi des récompenses au level 1000. Voici les récompenses qu'on peut avoir au level 1000 en allégeance, donc en Reaper et en Athena. Comment on fait pour mettre le mode PVP en fait? En fait c'est tout simple, vous allez ici dans la table de quête et ici vous avez un genre de sablier. Donc un sablier. Donc ici vous avez le sablier qui est en bleu. Vous avez juste à changer de faction. Bam. Et hop, il se met rouge. Donc ici c'est le mode faction Reaper. Et ici c'est Athena. Aussi quand vous faites de l'allégeance, mettez votre le pavillon Athena ou Reaper. Ça vous permet d'augmenter votre réputation en Athena ou en Reaper, tout simplement. Et vendez les pavillons aussi. C'est très important. Ça rapporte plein d'argent. D'ailleurs, si vous jouez tout seul, vous n'avez pas d'amis qui ont Sea of Thieves. Pas de problème, allez sur le serveur Discord de Sea of Thieves France officiel. Vous pouvez jouer avec d'autres personnes, vous pouvez créer, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez rechercher à votre guise. Donc je vous mets tout ça en description. Passons au brigantin. Donc pour le brigantin, comme on n'est que 3, il n'y a que 3 rôles. Il y a le MC, le flex et le barreur. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de repas. Parce que tout simplement le repas c'est le barreur. C'est pour ça que je trouve personnellement le brig c'est le bateau le plus dur à contrôler. Après c'est chacun son truc. Du coup là c'est comme un soupe, il faut donner un angle à gauche. Et en fait pendant qu'il y a l'angle à gauche, pendant que vos MC le flex y canon, vous devez réparer et écoper. Donc le barreur. Hein. Le barreur doit écoper et réparer en même temps. Et dès qu'il a plus l'angle, en fait il doit juste donner un petit coup. Bam, hop, tac, il répare à chaque fois. Pour le MC, le flex c'est toujours la même chose. Le MC, bah, il canonne. Et le flex, dès que le barreur a besoin d'aide pour écoper, le flex il vient, il écope. Surtout, un truc très important, c'est le MC qui board. Et pas le flex ou le barreur. Surtout pas. C'est le MC, le main cannon qui board. Au niveau des supplies, on peut mettre une caisse de canon ici. Une caisse de sto avec pas mal de trucs ici. Et peut-être une caisse de repas à côté du barreur. Ça dépend de vos trucs. Au niveau de la voile, on peut mettre jusqu'à là. Donc soit mid, soit là. Après c'est comme vous voulez. Hein. Personnellement je la mets ici. Donc le barreur il pourra toujours la lever ou la descendre. Ça dépend du truc. Et la voile qui est à l'avant est complètement levée. Et enfin, la sloop. Donc la sloop est très maniable. Et comme vous êtes que 2 joueurs, il faudra répartir un peu tout le boulot à 2. Un truc très important que j'ai pas dit, c'est de mettre des raccourcis pour au moins la nourriture et les armes. Donc comme ça, bam, arme, tac tac tac, au lieu de la molette. Parce que la molette, des fois, on peut déraper. Donc je vous conseille de mettre des raccourcis pour les outils. Et pour le manger. Parce que c'est très important. Comme ça, bam, tac, tac, hop, et là on mange. Direct. Et pas besoin, en vrai, vous faites comme vous voulez pour les autres, mais personnellement j'utilise encore la roue pour le saut et pour le bois. Donc voilà. Et peut-être pour le KO aussi, si vous êtes préférable avec le KO. Donc mettez ça, c'est à votre guise. Hein. Donc pour le barreur en sloop, donc il donne un angle à gauche, comme la brigue. Pendant qu'il y a l'angle à gauche, il va repas, il va écoper. Si le barreur a le temps, un petit coup de snipe par-ci par-là, ça fait pas de mal. Et si vous êtes vraiment bien, le barreur peut se canonner. Mais c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre moyen, quand c'est vraiment quand le barreur est vraiment vraiment bien. Si vous voulez vraiment vous concerner que sur la sloop, je vous conseille de regarder la vidéo de Duffy. Il explique vraiment dans les brefs détails la sloop. Parce que je vous mettrai la vidéo dans la description. Parce que personnellement, la sloop, j'y joue presque pas en agence. Au niveau des supplies, pas besoin de beaucoup. Vous pouvez prendre la charpentière et mettre un boulet de canon ici, une caisse de canon ici et une caisse de repas à côté de la barre ici. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc maintenant, analysons une vidéo que j'ai fait quand j'ai fait de l'agence en brig. Avec 2 amis à moi. Donc je vais analyser tout ça en voix off parce que sur le tas je pouvais pas commenter. Donc c'est parti. Ok, c'est parti. Donc une fois voté le sablier, donc ici on a voté Athena, on court direct vers la voile pour la remonter tout de suite. Donc en l'occurrence ici c'est la voile de devant que je remonte tout seul. Mes deux collègues remontent la voile de derrière. Ici nous avons un petit problème parce que l'ennemi est assez loin. Donc on essaye quand même de mettre la pression parce que garder la pression dans un match c'est très très important.
Donc voilà, si vous voyez un boulet comme ça, évitez-le, parce que si vous faites boulet bouche, donc boulet bouche c'est se faire one shot avec un boulet, ce qui peut arriver, c'est très inconvénient parce que on devra il devra vous ressusciter ou vous devrez directement revenir. On met des boulets chaînés. Pour les chaîner comme ça, bam. Comme ça ils ont plus de mât, ils peuvent plus avancer, on pourra tourner autour d'eux. Donc voilà, là ici ils ont plus de mât. Donc on tourne autour d'eux et on leur met toujours la pression. Voilà, on met la pression. Comme vous l'avez vu avant, il y avait une caisse de boulet juste à côté. Que j'ai pris du coup. Ici ils ont mis la voile de devant pour avancer, du coup je me suis dit vas-y je vais peut-être les bords pour mettre l'ancre. Ici du coup bam je lui mets des KO parce qu'il est en train de remonter la voile arrière. Donc ici j'ai réussi. Il a réussi finalement à la remettre. Je mets des petits boulets chaînés pour lui enlever le mât. Je continue à lui mettre la pression. Il y a mon collègue Aito qui a réussi à aller sur son bateau, du coup je l'ancre. Il a réussi à l'ancrer, bravo à lui. Donc je chaîne quand même l'ennemi comme ça, au cas où, même s'ils remontent l'ancre, ils ont plus de mât, du coup ils avancent plus et on pourra toujours continuer à aller bolos. Ici, on continue encore une fois à mettre la pression et on sauve notre pote Aelito qui essaye de monter, mais il y a les ennemis qui prennent l'échelle et qui n'arrivent pas du coup à monter. Donc on lui met des petits boulets où il est, comme ça on tue peut-être les ennemis. Là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le tuer. Voilà, bam, on met la pression et ils ont finalement coulé, bravo. Voilà, tout ça est une rediffusion sur Twitch. Tous les soirs, je suis en live. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver plus tard dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Ou sur ma chaîne Twitch, que je suis en live tous les soirs, je le rappelle, vers les 20h30 en fait. Tous les soirs, je suis en live sur Siafif. Ou d'autres jeux, ça dépend. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de vidéos Siafif. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos Siafif. Et sur ce, à une prochaine.